Okay, so now proceeding to correction of exercise 11.2, le numéro 9 dans le livre Marin diagramme 11. Let us have a look at it. L'indialou comme ça que the mean of 10 numbers, alors the mean of 10 numbers is 40. Let us have a look at it. The mean of 10 numbers, alors premièrement nous connaissons que nous avons 10 chiffres. 10 chiffres veut dire que n égale à 10. L'indialou comme ça que ce mean c'est combien? The mean of 10 numbers, nous avons 10 chiffres. Et que voilà, the mean of these 10 numbers, mean est représenté par x dash. Tout d'abord que mean est représenté par x dash. Maintenant, mean of 10 numbers. Mean of 10 numbers, mean x dash de 10. Alors, x dash de 10, cela vous donne une totalité de 40 par ici. Vous avez bien saisi là. X dash de 10, il donne une totalité de 40 par ici. Now, let us have a look at it. Once again, nous pas connaissons pas les points de nous, mais tout le temps, please bear in mind, alors totalité c'est quelque chose que la plupart des questions mine qui sont en art, sont une faire question 1 à 10, sont en trouver, alors il y a pas mal de questions, il y a pas mal de situations, que comme quoi totalité même qui tire aux autres, alors c'est totalité même qui enable you to get close to the answer. La plupart des questions sont remarquées quand je peine la totalité, je ne peux pas rester rapproché, je bien même avec la réponse. Alors, malgré nous ne connaissons pas, c'est pas nous observer totalité ici, mais toujours, alors, it is harmless, il n'est pas pour vraiment blesser, si je peine la totalité là, peut-être ici même, il est bien rapide, parce que comment je connais, formule de totalité, c'est summation of x, c'est x dash multiplié par n. Ça, c'est formule pour totalité. Je suis tout d'accord là. Ça c'est formule de totalité, et totalité voilà, c'est summation of x égale à x dash fois 10. Maintenant nous pouvons pour 10 chiffres, ça veut dire pour 10 chiffres sur totalité, 10 chiffres sur totalité, divine summation of x 10 est égal à mean, voilà, est égal à mean de sa 10 valeur là, multiplié par n, le fait qu'il nous pouvons pour 10 valeurs, alors n il peut représenter par 10. Allez, let us have a look at it. What is mean of 10 numbers? Mean of 10 numbers is 40. Alors, c'est 40 multiplié par 10. Alors, cela vous donne 400. Ça veut dire en d'autres mots, cela veut dire en d'autres mots que vos 10 chiffres, cela veut dire que en d'autres mots, sa 10 valeur là, ça veut dire que sa 10 valeur là, les deux moins un total de, les deux moins un total de 400. Ça fait bien ces idées là. Allez. Maintenant, let us read the question further over here. L'indialou comme ça, when the number 5 is replaced, when the number 5 is replaced by the number XR, when the number 5 is replaced by the number X, the mean increases by 4. Now I understand why you could not do it over here. Again, bien, vous avez besoin de clarity. If you do not have a clarity well set into your mind, then only it's going to affect you. Si vous conférez pièce par pièce, n'est pas pour venir quelque chose de difficile, let us have a look at it. L'indialou quand le numéro 5, ça veut dire en d'autres mots dans sa 10 chiffres là, par ici, from these 10 numbers, vous connaissez qu'il y en a un chiffre là-dedans, il y en a premier, deuxième, troisième, quatrième, jusqu'à dixième, il y en a 10 chiffres au total. Dans sa 10 chiffres là, il y a un chiffre à l'angle le numéro 5. Comment vous connaissez? Parce que l'indien, when the number 5. L'indien nous comme ça, when the number 5 is replaced by the number X. So, when the number 5 is replaced by the number X, let us have a look at it. L'indien nous comme ça, min là, li augmente par 4. Min là qui est arrivé, min là, li augmente par 4 maintenant. Cela veut dire, en d'autres mots, nous avons la valeur de x. Premièrement, ça qui nous pouvons faire, vous êtes tout d'accord avec moi là, nous remplaçons le numéro 5, alors voilà, par le numéro x. Nous remplaçons le numéro 5 par le numéro x. Ça veut dire, en d'autres mots, quand nous remplaçons x pour 5, ça veut dire quand nous remplaçons 5 par x. Alors, est-ce que la totalité des chiffres, l'inaffecté. Et comme on peut dire la totalité des chiffres, ça veut dire la quantité de chiffres qui est là. Have a look at it. Nous disons comme ça, allez, nous avons 10 chiffres. X1, X2, X3, peut-être après nous avons le numéro 5. Le numéro 5, c'est le quatrième chiffre. Nous avons les mêmes X5, X6, X7, X8,
x9 et x10. Allez, vous mettez comme ça, vous comprenez bien. Ça veut dire, voilà, ça, c'est le numéro 5 qui existait. Moi, je vous disais tout à l'heure, là, les disais-nous, what the number 5? What the number 5 is replaced? What the number 5 is replaced by x? Ça veut dire d'origine, c'est là le numéro 5 dans ces coins-là. Vous pouvez bien saisir le numéro 5, les présents dans ces coins-là. So far, it's good for all of you. Allez, très bien. So the number 5 is already present in that sequence. Et quand il se fait totalité, comment il fait nous? Totalité de sa 10 chiffres-là et de nous voilà un total de 400. So far, it's good. Maintenant, qu'est arrivé? Nous pouvons remplacer ça, le numéro 5 là, par x. Ça, c'était mon premier chiffre, mon deuxième chiffre, mon troisième chiffre. Mon quatrième chiffre, je l'appelais comme 5. 5 là, n'importe quoi, ça va tomber, mon camé. Je l'appelais comme mon quatrième terme. Quatrième terme, je prends 5. Ici, voilà, l'indienne, comme ça, mon 5 is replaced by x. Voilà, je vais remplacer 5 par x. Vous avez bien ces idées là. Allez, ça, c'est mon cinquième chiffre. Sixième, septième, huitième, neuvième et dixième. Qui va pas le faire premièrement? Qui va pas le faire premièrement là? Moi, j'ai un coup de esquimau car connaît combien tu seras libé vous? Combien tu seras libé vous? Ici, on dépit x1 pour venir x10. X1 pour venir x10. Combien il vaut? 400. Vous avez ces idées là? X1 pour venir x10, il fait une totalité de 400. Vous avez bien ces idées? Maintenant, on a envie de connaître comment on remplace ça 5 là par x. Combien est-ce qu'il vaut? Let us have a look at it. L'indienne, comme ça, the mean increases by 4. So, for this distribution, the mean increases by 4. Voilà. The mean increases by 4. So, what is the new mean? Mean là, combien c'était? Min là, regarde bien, min pour ça 10 chiffres là, quand il y a 5 tout avec lui, c'était combien? C'était 40. Maintenant, l'indien nous comme ça, quand il y a 5, il remplace lui par x, min là augmente par 4. Min là augmente par 4, alors cela vous donne 44. Vous avez bien ces idées là, auparavant, voilà, min là c'était 40. Maintenant, il augmente par 4, alors si min 44, ça veut dire mon new min, ça veut dire. Mon new mean, c'est 44. Maintenant, sa new mean là, c'est toujours pour sa 10 chiffres là. Vous avez ces idées là? Ça, c'est pour ça toujours 10 chiffres là. Quand 5 est remplacé par x, pas oublier, il est remplacé par x. Ça veut dire que c'est dans 10 avant. Mon tia 5 dans sa séquence là. Mon remplace par x, mais mon toujours dans 10 chiffres là. Ça veut dire en d'autres mots, what is the new total? Allez, what is formula for total? Formule de totalité, c'est quoi? C'est summation x égale à min fois number of terms. Ça, c'est formule de totalité. Min fois total number of terms. Allez, let us have a look at the new total. So, what is the new total now? New total, comment fait-nous? Allez, x dash. Pour sa nouvelle distribution-là, l'indien nous min augmente par 4, divine 40 plus 4, divine 44. Ça veut dire en d'autres mots, min là c'est 44 maintenant. Pour sa nouvelle totalité là, nouvelle totalité veut dire pour sa nouvelle sequence ça. Alors ce nouveau totalité c'est combien? Alors si vous venez nouveau min c'est 44. Et combien toujours on a la distribution là? Dans la distribution là, nous toujours on a 10 chiffres. Alors cela vous donne 440. Vous avez bien ces idées là. Alors cela vous donne toujours 440. Alors ça veut dire que bien, si mon min là ici à ce terme, comme au cause pour ça là, voilà, new 10 numbers. Comme au cause totalité pour ça, new 10 numbers là, il fait moi 440. Mais vous autres, on remplace le numéro. Écoute bien là, là c'est une partie logique qui m'a expliqué vous autres là. On remplace le numéro 5. Ok, it's good, on remplace le numéro 5. On met x là. Vous avez ces idées là. On remplace le numéro 5. On met x alors. So far, it's fine for all of you. Pas de difficulté. On remplace le numéro 5 par x. Totalité, il vient combien? Il vient 440. On tient 5, on met x. Get bien. Quand on tient 5 ici.
Comme on retire 5 ici, allez, dis-moi quelque chose. Comme on retire 5. Si on retire 5 là, x5 tout là, donc x5 tout gagne bien, x5 tout, il fait à moi 400. X numéro 5 tout, il fait à moi 400. Maintenant, si on retire sa numéro 5 là, tiens numéro 5 là. Si on tient numéro 5, comment est-il pour faire moi? Il fait à moi 5 en moins. X5 tout, il fait à moi 400. Sans le numéro 5, comment est-il pour faire moi? Il fait à moi 400, retire 5. Si on retient le numéro 5 là-bas, mon besoin retient le numéro 5 dans le total. X au numéro 5, il fait à moi 400. Sans le numéro 5, il fait à moi 400, retire 5, il fait à moi 395. Vous avez saisi dit, maintenant vous avez dit moi comme ça, monsieur, il y a des explications ça. On peut retirer le numéro 5 là, qui on peut redire pour ça? Voilà, I'm coming to it over here, voilà. On peut venir ça pour la même là. On retire le numéro 5, le petit peu moins 395, pas de difficulté. Subtracting number 5, alors tu vous donnes 395 comme totalité. Maintenant ici là, ce total c'est combien? Ce total c'est 440. Vous avez bien ces idées là. Ce total c'est 440. Mais therefore, what is x? Therefore, what is x vous autres? Si on retire sa numéro 5 là, depuis ici là, ça veut dire en d'autres mots sa totalité là, type de moins 395. Vous avez bien ces idées, sa totalité là, type de moins 395. Mais ça veut dire x. Allez, get bien maintenant. Comme on dit 5, allez, tiens 5. Fais comment dire 5 parties présentes même. Fais comment dire le numéro 5, les parties présentes. Regarde bien là, hein, mon bonnet technique. Bien parfait pour me montrer les autres salles. Allez, n'est-ce pas dire moi autres même. X1, X2, X3, X5, X6, X7, X8, X9, X10. Allez, dire moi autres même. Et dans combien de celles-là? Et dans 9 chiffres. Et dans 9 chiffres, je retire le numéro 5. Allez, ce total, combien fait nous là? Ce total fait nous 395, guette bien. Vous avez bien saisi, je vais finir retirer le numéro 5 là, vous autres. Le numéro 5, je vais déjà finir retirer là, je tiens le numéro 5. Ça veut dire, combien de chiffres il y a là? Il y a 10 chiffres, guette bien. Mais il y a le numéro 5 là, hein? Le numéro 5 va en tirer là, voilà, il est blank. Quand on retire le numéro 5, ce total fait à moi 380. Ce total fait moins 395. Vous avez bien ces idées. Maintenant, regarde bien. X1, X2, X3, X5, X6, X7, X8, X9, X10. Vous remplacez les pas. Vous mettez le numéro X à ce tir. Ça veut dire que vous avez X1, vous avez X2, vous avez X3. Vous avez bien ces idées là. On a x1, on a x2, on a x3. So far, it's fine for all of you. Pas de difficulté là, hein? C'est sûr que vous pouvez bien comprendre. Have a look at it. Tout ça là, fait moins 395. Moi, c'est un nouveau. Les commandants vont dire comme ça, nous avons 9 élèves. Allez, nous avons 9 élèves dans la classe. Nous avons 9 élèves dans la classe. Fait comment dire ça, 9 élèves là. Nous élèves make, hein, nous élèves bien make. Il fait nous un total de 395 kilos. Moi, sur tous les mêmes élèves de poids, il fait nous 395 kilos. Ok, it's good là. Maintenant, vous dire aux un nouveau élève venu, fait que mes élèves là, son nom appelle X. Un nouveau élève venu, appelle X. Moi, vous dire aux autres, Astia, vous connaissez comment il était. Astia, ça veut dire, quand on répond tous les élèves de poids, il fait à moi 440. Il fait à moi 440. Mais bien, 9 élèves, c'est fini. Quand il y a 9 élèves, 395. Un nouveau élève, maintenant, il appelle monsieur X, ou soit, et mademoiselle X par ici. Total, fait nous 440 kilos. Mais combien est-ce qu'il y a ces élèves-là? What is the weight of that new student? Qui est-ce que tu dire, moi? That new student would be 440, retire 395. Qui vous donne 45 kilos. Likewise, over here. Alors, le fait que X, l'infier total là augmente pour 395. L'infier total là sur 395, 24, 40. Mais combien X est-il?
Alors voilà, c'est la différence qu'il y a pour prendre 395 pour 1440. Ça veut dire que c'est 440 entre 395 et cela vous donne 45. Alors si toutefois vous avez n'importe quelle difficulté, ce pas toujours comprendre, ne vous inquiétez pas, you can definitely post it on your group itself. Vous n'avez toujours pas compris sa correction, you can definitely post it on the group. I'm going to give you and explain it personally to you. It's not a difficulty. Just make sure that you're really understanding it. Understanding is main goal and you're retaining also the understanding. Les nœuds vous avez compris, mais après la voilà, la compréhension est carrément dégénérée. Alors, il faut dire que quand vous devez comprendre quelque chose, vous devez mémoriser quelque chose, make sure that, alors, you retain the information, and the best way to retain information is to, alors, voilà, occasionally review your materials, on nous dit, reviser un petit peu pour les mathématiques, pratiquer de temps en temps, alors, reste vérifier un petit peu sur le bancalier, alors, In case of, as it is, if you forget how to do this, you can definitely just access the tutorials on YouTube, même quand est le tout prévu dans la normale, et vous pouvez toujours laisser une vidéo là sur YouTube, comme ça, vous êtes capable de gagner une explication, laver les examens, vous êtes capable de suivre une vidéo là un petit peu. Next upcoming example is correction for example 10.